Du toboggan aquatique le plus haut et le plus rapide du monde en passant par le plus long, voici des attractions qui donneront des sensations fortes aux plus courageux des visiteurs. Au-delà de la hauteur et de la vitesse, certains s'accompagnent d'un environnement stupéfiant, donnant une vue imprenable sur les parcs les hébergeant ou même sur des bassins de raies et de requins. Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez envie d'essayer l'un de ces toboggans. Voici les 13 toboggans aquatiques les plus extraordinaires du monde. Le Verrückt, Kansas, États-Unis. Situé dans le parc aquatique Schlitterbahn à Kansas City, le Verrückt est officiellement le toboggan le plus long et le plus rapide du monde. D'ailleurs, son nom signifie « fou » en allemand, c'est pas pour rien. Pour y accéder, il est nécessaire de monter pas moins de 17 étages et 2064 marches. Ouvert en juin 2014, il mesure plus de 51 mètres et transporte les volontaires téméraires à plus de 104 km/h. Le Black Hole, Bremerhaven, Allemagne. On entre dans ce tube comme on entre dans une boîte de nuit. Avec ses néons lumineux psychédéliques, le Black Hole est situé dans une piscine de Bremerhaven en Allemagne, vous offre une descente longue de 78 mètres dans un univers digne d'un kaléidoscope. L'Inseino, Fortaleza, Brésil. Situé dans le parc de Fortaleza, l'Inseino plaira forcément aux amateurs de sensations fortes. Mesurant 41 mètres de haut, ce toboggan à chute libre va à 105 km/h et permet d'effectuer la descente en à peine 4 à 5 secondes. Considéré comme le plus grand toboggan aquatique au monde, il s'est fait détrôner cette année par le Verrückt. Le Royal Flush, Texas, États-Unis. Le Royal Flush n'est pas très impressionnant, ni par sa hauteur, ni par sa vitesse. D'ailleurs, vu comme ça, il n'impressionne pas du tout. Mais arrivé à la fin de la piste, on se rend compte qu'il reste la dernière étape. Un saut de plusieurs mètres nous attend à l'arrivée. Les plus doués pourront s'amuser à tenter une pirouette, un plongeon ou un saut de l'ange. Pour les autres, on vous conseille une simple bouteille ou une bombe. Si vous avez envie de le tenter, rendez-vous au parc aquatique BSR Cable Park de Waco, au Texas, aux États-Unis. Boeing 747, Oregon, États-Unis. Comme nos amis américains ont le divertissement dans la peau, il est normal qu'ils ne fassent rien comme tout le monde. En effet, qui aurait eu l'idée de créer un parc aquatique en plein cœur d'un musée de l'air et de l'espace? On trouve, à McMinnville, dans l'Oregon, l'Evergreen Aviation and Space Museum. Ce dernier dispose bien évidemment ses collections d'avions, de fusées et autres satellites, mais également un parc aquatique dont l'attraction phare est un toboggan aquatique installé au cœur même d'un Boeing 747. The Leap of Faith, Atlantis The Palm, Dubaï. Installé dans le parc aquatique Atlantis The Palm à Dubaï, le Tower of Neptune rassemble plusieurs toboggans aquatiques, traversant un bassin rempli de requins, de raies et de poissons. The Leap of Faith est une glissade sur une hauteur équivalente à 9 étages d'immeubles sur la façade d'un temple maya. Se finissant par un tube transparent, la course permet de voir les requins au-dessus de soi à peine plus d'une seconde. Ce n'est certainement pas une attraction que je vous conseillerais si vous êtes cardiaque.
Big Thunder, Rapids Water Park, Floride, États-Unis. Le Big Thunder commence par un passage dans un tunnel noir, avant de déboucher sur une sorte de cornée à 45 degrés, propulsant l'embarcation dans la direction opposée à plus de 30 km/h. Selon ceux qui l'ont essayé, cela permet de ressentir une sensation proche de la pesanteur durant quelques secondes. Aqua Drag Racer, Park Wet n Wild, Orlando, États-Unis. À vos marques, prêts, glissez! Alors que d'autres toboggans peuvent être plus longs et plus spectaculaires, l'Aqua Drag Racer possède 4 voies, ce qui vous donne la chance de vous mesurer à vos amis. Ce toboggan long de 110 mètres et perché à 20 mètres au-dessus du sol est loin d'être un chemin calme. Il est même carrément tortueux. Vous pourrez regarder sur votre gauche ou droite pour voir qui sort en premier du tube à l'arrivée, pour ensuite recommencer encore et encore. Dragster H2O et Erie Falls, Cedar Point, Ohio, États-Unis. Situé sur une péninsule du lac Erie en Amérique du Nord, le parc d'attractions Cedar Point détient plusieurs records, dont celui du parc ayant le plus d'attractions au monde. Il compte plus de 69 manèges différents, dont 17 montagnes russes et 2 parcs aquatiques à thème. Le Dragster H2O et les Erie Falls. Le Dragster Falls permet de mettre en concurrence 6 personnes partant en même temps, allongées sur le ventre, la tête en avant. Quant aux Erie Falls, ils ne sont pas du tout conseillés aux personnes ayant peur du noir. Scorpion's Tail, Noah's Ark, Wisconsin, États-Unis. Mesurant plus de 120 mètres de long et ayant une hauteur similaire à 4 étages, le Scorpion's Tail a la particularité de posséder un looping à 360 degrés en son milieu. Les participants commencent par entrer dans un sas s'ouvrant sous leurs pieds. À peine installés, commence alors une descente allant à plus de 60 km/h. L'Epic Plunge du paquebot Norwegian Epic. Si vous pensez que l'Epic Plunge n'a l'air de rien, détrompez-vous. Il s'agit du plus grand toboggan aquatique installé sur un bateau de croisière. Pour être précis, il s'agit du Norwegian Epic, opéré par la compagnie NCL Norwegian Cruise Line. À plusieurs dizaines de mètres du niveau de la mer, vous pouvez emprunter ce toboggan qui vous projettera à grande vitesse dans un énorme siphon avant d'atterrir dans un des bassins de ce paquebot. Summit Plummet, Walt Disney World, Floride, États-Unis. Le Summit Plummet est une descente de plus de 36,5 mètres sur un tremplin de vol à ski dont une partie est un tunnel sombre. Ce toboggan à chute libre est un des plus hauts et des plus rapides au monde. Ceux qui oseront essayer ce magnifique toboggan seront ainsi propulsés à près de 95 km/h dans un faux décor enneigé en Floride.
On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À demain même heure pour une nouvelle vidéo.